trésor. Oui, maman. Tu es là? Oui. Ah, oh, je te cherche partout. Maman, je t'aime. Ah, oh, je t'adore. T'es une petite mine d'or pour moi. Oh, eh oui, eh oui. Tu sais pas à quel point j'ai galéré pour t'avoir. Hein. Oui. Ton père et moi, nous en avons en bavé. Hein. J'ai fait 2 ans de grossesse. Tu peux imaginer ça? C'est incroyable. Hein. Tu sais pas à quel point j'ai souffert pour t'avoir. Voilà, donc j'aimerais que tu réussisses ça à l'école, que tu sois un exemple. Et quand je serai présidente de ce pays, tu seras une grande dame. Je ferai de toi une grande dame. Ouais, et je t'offrirai tout. Waouh, maman, tout ma tête, ça s'est donné. Maman. T'as vu cet immeuble là-bas? Oui, maman. Je vais t'offrir un plus grand que cet immeuble-là. Un plaisir? Bien sûr. Waouh, maman. Voilà. Tu n'auras rien à envier de tes amis. Hein. Waouh, maman, oui, merci. Oui, maman, oui, merci oui, pour oui, tout. Oui. Donc, sache que je t'aime. Donc. Maman, je t'aime aussi. Maman. Maman. Qu'est-ce que tu as, mon cœur? Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, c'est ta cause. Assieds-toi. Adam est à l'école. D'accord? Et quand il sera de retour, tu vas la voir. Non, 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 non. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Calme-toi, s'il te plaît. Écoute, non, 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 écoute, écoute. Rien ne va se passer. Rien ne va se passer. D'accord? D'accord. Je te cherche de la boire. Tu... Mais. De l'eau? Non, 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 non. Je ne veux pas de l'eau. Donne-moi tout ma ventre. Ah non, tu ne fais pas de crise d'asthme. Ce n'était qu'un cauchemar. J'ai un pressentiment très fort. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Non. Oui, oui, oui. Rien ne va se passer. Oui, oui, oui. Oui, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je sens qu'il non, va se passer. Non, Aminata, tu sais. Un truc très grave. Non. Rien ne va se passer. Tu sais, ici, quand tu décides de devenir président de la République, les choses comme ça ne manquent jamais. À plus forte raison, toi, tu es une femme. Et tu veux devenir la présidente de la République. C'est pas facile, hein. Les cauchemars comme ça, ça ne va jamais finir. Mais, tu te souviens, non? Le féticheur nous avait demandé de venir 2 semaines avant l'ouverture des campagnes. Est-ce que tu t'en souviens? Ah oui, on est déjà à 2 semaines? Voilà. Ça doit coûter. Tu vas prendre ta douche. Non, pas. J'allais même t'en parler. Voilà. Merci, toi, d'accord? Okay, okay. Merci, chérie. Rien ne va se passer, non, c'est n'importe quoi. Heureusement que tu es là. Non, c'est n'importe quoi. On est ensemble, d'accord? D'accord. Voilà, c'est ça, vas-y. Tu sais que moi, j'ai passé toute la nuit à travailler sur le programme de campagne? De campagne, là. Je n'ai pas fermé les yeux toute la nuit. Oh là là. Mais vraiment, vraiment, sans toi, je ne sais pas quoi faire. Vraiment,
désolé pour tout ceci, non, parce que c'est toi qui t'abats sur tout le boulot. Non, ça marche, ça c'est rien. Sans toi, je serais qu'est-ce que devenir. Sinon, vraiment, mon chéri. C'est la promesse que je t'ai faite. Je suis toujours sur mes paroles. Et ouais, je vais tenir ces paroles-là. Voilà. Je vais te porter au sommet de cet état-là. Oh mon chéri, c'est pour cela que je t'aime. Oui, c'est pareil. Alors, je ne sais pas prendre ma douche. Oh, voilà, il n'y a pas de problème. Il faut prendre ta douche. Bonjour, wesh, Moja. Hey, boss. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien. Tout va bien, j'espère. Oui, et toi, ça fait un bail là. Oui, bien sûr, ça fait un bail. Je t'appelle pour un nouveau projet. Un nouveau projet? Oui, mon frère. Écoute-moi très bien. Moi, Oumar. Oui, boss. Je suis prêt à tout pour être le président de la République. D'accord. Et c'est Aminata. Je sais bel et bien qu'elle est une candidate favorisée pour les élections. Même s'il faut la supprimer, eh bien, on le fera. D'accord. Même s'il faut la tuer, je suis prêt à le faire pour être président de la République. Donc, à présent, je vous charge de cette mission. Et c'est pour quand? Maintenant même. Je vous charge de la suivre, ses moindres faits et gestes. N'importe où elle se rendra, il faut la suivre. Et dès que l'occasion se présente, il faudra à tout prix la tuer. Je répète, il faudra la tuer. Tu te charges personnellement de cette mission. Et j'espère que tu m'as bien compris. Bien entendu. Est-ce que je peux compter sur toi? Vous pouvez compter sur moi. Pour l'argent, ne t'en fais pas. Je vais te rappeler plus tard. J'attends votre coup de fil. Bonne soirée à vous, boss. Chérie. Bonjour chérie. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Et toi? Oui, ça va, je vais bien aussi. Tu as mis du temps là. Ça fait un moment que je suis en train de t'attendre, mais malheureusement, tu es venu en retard. Qu'est-ce qui s'était passé? Oui, chérie, tu sais, je devrais aller à l'école. Ah ouais? J'ai dû sommer le cours pour venir te voir. Oui, justement, tu m'avais dit ça. Je suis vraiment désolée. Mais désolée pour le retard. Non, pas de toi. Moi-même, j'ai été obligée de déposer la voiture de l'autre côté pour que je puisse venir te voir. Est-ce que tu m'as manqué? Oui, tu m'as tellement manqué. J'espère que ça s'est bien passé là-bas. Oui, très bien, mais je suis un peu inquiète. Si maman sait que j'ai soumis le cours, ça ne serait pas bon pour moi. Ah, c'est pas cool. Mais ça. Tu sais que je t'aime, je dis à toi, raison pourquoi je suis là. Je t'aime à toi également. Et à toi également. Tu m'as tellement manqué. Toi également. Tu m'as vraiment manqué. Non, ça fait trop. Mais, pourquoi? Ah oui, tu as pu avoir ce que je t'ai demandé? Oui. Ah, c'est super ça, alors je savais que je pouvais compter sur toi. Tu viens, on balade un peu? N'est-ce pas? Hein? Oui. Allons-y. Alors, chérie, dis-moi, qu'est-ce que tu avais à me dire? Tu sais, papa et maman sont allés voir le féticheur. Oui, le féticheur les a demandé de retourner 2 semaines avant la campagne. Vraiment? Oui. Et il va faire un sacrifice pour maman. Et comme ça, elle va devenir la présidente. Car le féticheur est très fier. Chérie, tu sais, je vais te demander une chose. C'est de continuer à bien le bien surveiller ta maman. D'accord. Et d'être au courant de leurs faits et gestes. D'accord, chérie. Pour que tu puisses m'informer et que ensemble nous puissions annuler leur rituel. Chérie, tu sais, il ne faut pas te quitter pour ça. À chaque fois, je t'ai donné tous les secrets de maman. Ça, c'est sûr. Et ne t'en fais pas. Je vais tout faire pour garder ça. Et comme ça, tu vas devenir le président.
Merci, chérie. Vraiment, quand je serai président, je te promets que je vais t'élire comme première dame. Ouais. Je vais quitter ma femme pour toi. Hey. Je vais te marier. Parce que c'est toi l'amour de ma vie, en fait. Chérie. Sans toi, je ne pourrai rien. Ça me ferait tellement plaisir. Oui, franchement, tu mérites, en fait. Tout ce que je veux, c'est être à tes côtés, de devenir ta femme. Moi également. Je suis trop contente. Merci. Cette petite fille a donc de fil à retordre. Mais il est passé où encore? Lala. Et je suis fou amoureux de toi. Moi aussi, je t'aime énormément. Attends. Oui. J'avais même quelque chose pour toi. Ah bon? Ouais, attends, moi, j'ai quelque chose ici pour toi. Je reviens dans la voiture tout de suite. Je t'attends. À tout à l'heure. Attends-moi, je reviens tout de suite. Tifo, je te vois. Elle est passée où? Elle est pas censée être dehors jusqu'à cette heure-là. Non, mais franchement. Chérie! Chérie! Mon amour! Ah oui, j'arrive avec la chaise. Ah d'accord. Je dois aller chercher l'autre chaise là. Ah d'accord. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu es un peu timide là. Tu sais que les nouvelles sont bonnes. Quand les nouvelles sont bonnes, mon trésor, il faut que tu sois bien. Je te trouve un peu froissé, hein? C'est juste que je suis très inquiète. Tu es très inquiète? Pourquoi, bon? Avec ce qui s'est passé chez le marabout tout à l'heure. Mais qu'est-ce que... Les fétiches, c'est qu'ils ont dit, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Quand le génie a apparu, quand il m'a confirmé que si on parvenait à faire vraiment les rituels là quand même, qu'il n'y a aucun doute, cette fois-ci, tu vas devenir la présidente de la République. Tu vas gouverner cette nation-là. Moi, j'étais rassuré. Sinon, moi, mais j'étais un peu inquiet. Est-ce que, voilà, est-ce qu'après la campagne, parce que tu sais, il y a des gens qui font plus de 10 élections. C'est-à-dire que chaque campagne, chaque fois qu'il y a des élections, ils se présentent plus de 10 tentatives et puis ils sont pas élus. Et l'année dernière, disons, les élections dernières, on n'a pas été, voilà, élus. Cette année-ci, il confirme. Là, moi, je suis très content et je pense que tu dois arrêter de stresser pour ça, hein. Tu vas être président. C'est ce qui me stresse encore plus. Non. Cette histoire de me laver tous les derniers dimanches, là. Oh, Aminata, oh. Aminata. Tu sais, ça c'est simple. Comme ils ont dit, le génie a dit que tu sais, après, c'est-à-dire quand on va finir d'appliquer ça, que tu vas devenir présidente, mais c'est une fois, voilà, quand tu seras présidente, que tu dois te laver tous les derniers dimanches du mois. C'est simple. Ça c'est très simple. Le plus difficile, c'est que tu sois élu. Quand tu vas être élu, là, on va gérer ça autrement. Ça c'est que tu viennes au pouvoir, c'est ça le plus difficile. Ouais. Mais avec un emploi de temps chargé, je suis pas sûre de le faire. Hein. Non, je dis que le simple fait que tu seras présidente, c'est ça qui est important. Les autres consignes là, moi je sais que c'est du bluff. C'est du bluff. Alors chérie. Oui chérie. Voici ce que j'ai apporté pour toi. Ouais. C'est l'ouvrir, si tu veux. Chérie, c'est quoi? Vas-y, je te laisse deviner. Yeah! Oh, j'aime, j'adore. Chérie, merci. Ah bon? Tu l'as aimé? Wow, trop même. C'est la moindre des choses. Je te promets qu'il y aura encore d'autres cadeaux plus meilleurs que ça. Franchement. Chérie, j'adore. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'est normal. Tu sais, j'ai aussi petit quelque chose pour toi. Ah bon? Allez, vas-y. Je suis un peu curieux de le savoir, ça. Je sais que tu vas adorer. Oh, c'est tellement gentil.
Allez, fais-moi, fais-moi goûter ça. Tellement bon. Surtout venant de toi. Tout venant de toi est vraiment merveilleux. Pareil. Parce que toi, tu es une merveille, en fait. Et je suis tellement content de t'avoir. Je suis tellement heureuse à tes côtés. Vraiment? Oui. Ne me flatte pas, hein, sinon. Je te sens. Ah bon. Là, ça me fait tellement plaisir. Je t'aime tellement. Bonbon. Tu sais qu'Adam n'est pas encore rentré? Adam n'est pas rentré? Quand nous sommes arrivés, quand je suis allée déposer mes affaires, oui. Je l'ai cherché partout dans la maison, il n'est pas là, même dans sa chambre. Tu es sûre de ça? Ça m'inquiète tellement. Chérie, je sais vraiment que tu m'aimes, mais je veux encore une solide preuve d'amour de ta part. Hey, chérie. Oui. Après tout ce que j'ai fait pour toi, franchement, tu n'es pas encore satisfaite de tout ce que je suis là faire? À chaque fois, je donne les preuves concernant maman. Tu sais, toute sa vie, elle rêve de devenir présidente. Oui. Je donne les informations les plus louches. Justement. Pour que toi, tu puisses devenir président. Ça, je le sais. Et qu'est-ce que toi, tu veux d'autre encore? Comment je peux abandonner ma mère pour quelqu'un que j'aime pas? Ça veut dire que je t'aime. Je le sais, mais je veux encore plus, bébé. Bébé, tu veux quoi? Regarde-moi. Je veux que tu passes la nuit avec moi. Chérie, je peux pas faire ça, je n'ai jamais découché. Tu veux que maman me tue? Non, elle ne va pas te tuer. Comment ça te tuer? Et si maman m'appelle, je vais dire quoi à maman? Écoute-moi. Oui? Je te promets qu'il ne va rien t'arriver, absolument rien. Rassure-toi, avec moi, tu es en sécurité. Je vais juste passer un bon moment avec toi. Mais chérie, je ne sais pas comment je vais faire ça. S'il te plaît, mon cœur, fais ça pour moi. Là, je saurai vraiment que tu es prête pour moi. J'aimerais bien, mais attends, chérie. Je vais... Pourtant, ta femme aussi est à la maison. Je vais faire comment? On aura une solution. Il n'y aura pas de problème. Je veux juste que tu passes la nuit avec moi, s'il te plaît. Concernant l'histoire de ta maman, tu n'as aucun souci à te faire. D'ailleurs, donne-moi ton téléphone. Voilà. Le téléphone est éteint. Maintenant, c'est toi et moi. Uniquement nous deux. Mon téléphone. Ah. Il faut l'appeler voir alors. Il faut l'appeler. Très inquiétant. Tu sais, tu as regardé dans sa chambre? Oui. J'ai fouillé partout. Ce que je te dis. Les filles, les enfants là. Salut, vous êtes sur le répondeur de Adam. Mais attends. Son téléphone ne passe pas. Il est sur répondeur. Ah bon? Mais oui. Adam est sur le répondeur. Bien sûr. Ça ne remet pas. Rejet direct. Ah oui, ah oui, ah oui. Eh ben. Et si on appelait le garde-corps? Garde-corps? Non, il faut appeler. École voix. Ok, c'est une très bonne idée. Je vais appeler son directeur. C'est pas possible. Ah, Adam n'est pas rentré. Tu dis que tu as bien vérifié l'intérieur. Sa chambre. Ce que je te dis, c'est rien. Attends, ça sonne. Allô? Bonsoir, monsieur le directeur. Oui. En fait, j'étais sortie, je suis rentrée, j'ai pas retrouvé ma fille. Ah oui? Ah oui? Elle n'est pas allée à l'école aujourd'hui? Mais comment ça se fait qu'elle soit pas partie à l'école? Tu dis qu'elle n'est pas allée à l'école? Mais elle n'est pas allée à l'école! Attends, il faut pas raccrocher comme ça. Elle n'est pas allée, attends, depuis quand elle chôme l'école? Depuis quand est-ce que Adam chôme les cours? Ah. Hmm? Attends. Alors, je sais un peu inquiète. Non, ne t'inquiète pas du tout. Rassure-toi. Il ne va rien t'arriver. Tant que tu es avec moi. D'accord, chérie. On peut aller maintenant? Sure. D'accord. Prends les affaires et viens, on y va. Oui.
Mais attends, il faut qu'on garde le sang froid. Attends, donne-moi ton téléphone que j'appelle. Je t'avais dit qu'il est arrivé quelque chose de grave. Tu m'as dit que c'est purement politique. Et voilà notre fille qui a chômé l'école. Non, c'est pas possible. Moi, j'appelle son dame école. Ok, je te laisse appeler. Ça sonne. D'accord. Faut te calmer, ça va. Ah. Ça sonne en coup. Attends. Ça sonne. Attends, mais comment ça c'est quoi? Ça sonne puis après on coupe. C'est dire qu'il y est arrivé un problème à ma fille. Le répondeur direct, c'est tout. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On peut se rendre à la police? Non, tu calmes, faut te calmer. Je suis sûr et certain que rien n'est arrivé à Adam. Tu sais, parfois, Adam fait des complicités avec son garde de corps, c'est sûr que c'est ça. C'est sûr qu'elle a dû demander au garde de corps de garder son silence et puis l'accompagner dans des choses avec ses camarades, tu vois. C'est les filles là, les filles qu'Adam fréquente récemment. Chérie, trouve une solution, il faut qu'on la retrouve avant que le pire n'arrive. D'accord, c'est bon. Il faut appeler la police. Il faut appeler la police et puis il faut signaler. D'accord. Il faut signaler. Non, j'appelle direct le commissaire. Voilà, c'est bon. Il faut appeler le commissaire. Mm-hmm. Et tu, voilà. Il faut le signaler, quoi.